On va voir. Oh putain de merde, non. Oh non, pas ça. Ok. Waouh, putain. Non, non, non. Oh putain, attendez, attendez, je suis tellement choqué là. Ouais, attendez. Oh non, putain de merde. Ah, je pense qu'il est dans les boss les plus durs du jeu là. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une blague? Ça fait longtemps que j'ai pas raconté de blague. C'est-à-dire, récemment, j'ai commencé un nouveau régime. Un régime où je me limite à manger un dromadaire par semaine. Je vais déjà raconter cette blague, je sais plus si vous voulez déjà raconter ou pas la blague. Est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est mon régime M-dromadaire? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette blague. Putain, je perds la boule. Ok. Je suis en train de concentrer. Désolé. Aujourd'hui, y'a rien qui va. Hein. On est d'accord, c'est bizarre, il y a un bug. Je viens de faire la blague à mon frère et il a ri. Je dis que j'étais un génie, merci Romain. Ah bah voilà, vous voyez que c'est une bonne blague. Allez, c'est parti du coup pour cette zone de l'enfer. C'est vraiment la zone où vous allez me voir péter un câble. Hein. Elle est vraiment... Les profondeurs, c'est horrible. Ça dégage. Vous voulez que je vous dise un secret? Chaque chute est volontaire. Et là j'ai volontairement pas chuté pour vous divertir. Je crois que c'est par là-bas non qu'il faut que j'aille. Il me semble. Après les chats ça grimpe au mur aussi, y a pas de... Je sais pas, vous savez quoi, je sais pas pourquoi je sens qu'on va tomber sur Malenia là. Et je vous fais un serment, si je tombe sur Malenia aujourd'hui, je n'utilise pas d'invocation. Je sais qu'il y a pas une zone avec un boss juste derrière là. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment que Malenia tombe aujourd'hui. Voilà. Je suis complètement paumé hein. Didier, tu dors? Didier? Ah non, t'es mort. Je pensais vraiment qu'il faisait semblant de dormir, ok, pardon. Ouah, je suis tellement paumé. Attends, mais c'est là en vrai? Attends, c'est là? Ça me déglingue la gauche, j'en peux plus, hein. J'ai trouvé le levier! J'ai trouvé le levier, putain! C'est pas le bon levier? Mais quelle zone de l'enfer! Ah putain, c'est là où je suis arrivé! Donc là, je fais que aller à droite, c'est ça? Là, je fais que aller à droite et c'est bon? Je tourne en rond. Putain, y'avait un chemin là. Putain, c'est là. Putain de merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OMG, c'est bon. Oh, fin. Bon, les amis, vous voulez quel boss? Là, normalement, c'est un mini-boss, hein, donc j'aurais pas un truc trop compliqué, normalement. Ok. Le boss le plus dur du jeu, force. Admirez mon skill un petit peu là, non? Je viens de first 44 000 runes pour ça. C'est un truc de malade ce qui vient de se passer là. Moi j'ai pas touché, putain. Si je meurs. Putain, j'ai beaucoup de runes en plus. Waouh, 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 waouh. Il y a une partouze là. Il y a du monde hein. Attends, mais c'est un fucking dragon là? Te fous de ma gueule! Me fais pas tomber, dragon, me fais pas tomber. Tout est normal. Vraiment, tout est normal. Tout est normal, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ceci est un randomizer, les amis, j'ai la situation sous contrôle. Il me fait de la peine, il était coincé, il pouvait même pas se défendre, c'est vrai. Allez, stop. Tu joues à quoi? C'est ce Elden Ring 4, là. C'est par là, vous êtes sûr? Oui, c'est par là, hein. Vous allez bien, les bébous sucrés au sucre de canne à sucre aromatisé aux épices d'Allemagne, fraîchement alimentés au jus de pomme saupoudré, de cannelle des Caraïbes, à la noix de coco salée au crabe. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors non. Et après, bonne chance pour le chemin. Ah mais attendez, c'est pas un enfer le chemin par ici. J'ai vraiment des petits yeux ce chemin là, ça va être un enfer. C'est bien, on est rapide là, c'est cool. Aïe. J'aimerais trop une fois organiser un speedrun en randomizer. Ce serait pas trop marrant. Genre t'invites plein de streamers et le but c'est vraiment de le premier qui finit son randomizer.
Je crois que je suis perdu. Je crois que je suis paumé. C'est pas là où je suis là. Bon les amis, vous voulez qui comme boss? Là on est sur un boss majeur. Il y a potentiellement n'importe qui peut tomber contre moi. Et sincèrement, pensez mieux que j'ai un boss fort maintenant, parce que si j'ai de nouveau un boss de merde, il restera plus que des boss trop forts et je vais me faire éclater la gueule après. Vraiment, je vais me faire éclater la gueule après. Genre imaginons, je pense un des seuls boss nuls qui me reste, la P1 de Malikette. Donc si là j'ai la P1 de Malikette, c'est-à-dire que la fin de la run, ça va être un enfer. Et vraiment la fin de la run, ça va être une merde, ça va être terrible. Donc s'il vous plaît, pas la P1 de Malikette, tout sauf ça. Ok. Bon, très bien. Bah ça va se remplacer du sax. Ça va être passé du sax, ok. Oh, mais laisse-moi bouger. Je peux rien faire. Et il est bugué. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien faire dans cette arène de merde là. Je crois qu'il est bugué dans le mur, placé du sax. Mais je peux rien faire, je peux rien esquiver. Oh là là là, ça va être dur. Mais non, je suis pas capable là. Ah, c'est bon, voilà, ok. J'y comprends rien. Cache-toi sous la table. Boum, boum, boum. Esquive. Dommage, je vais pas esquiver. Ça va être chaud, hein. Bon, avec A2 avec l'enseignement, c'est pas mal par contre. On le prend, c'est ok, c'est fine. Qu'est-ce qu'on fait là? Il va se retourner. Il fait la bouboule, il va stepper, il va commencer à stepper. Fait chier. Ok, il a disparu. Je sais pas d'où ça peut venir. Oh, ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est clairement un des boss, les combats de boss les plus stylés, je trouve. Ok. Non, j'ai pris ça vraiment. Et la lame est presque morte. Oh, c'est la bombe, je pourrais rien faire. C'était chaud. Qu'est-ce qu'il me fait? Il disparu. Allô? Bonne soirée Sabrina, des bisous. Allô? Le mec, ouf. Okay, j'ai plus la lame, ce qui est un peu relou, on va pas se mentir. C'est la merde là, c'est vraiment la merde là. Il profite de la pénombre, c'est un bâtard. C'est vraiment un bâtard. Il est passé où? Placé du cul? Je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça peut venir, c'est horrible. J'ai l'impression que c'est un jeu d'horreur là. Il est passé là. Putain, là c'est moi qui ai fait de la merde. C'est vraiment chaud là. Le feu, je peux pas l'esquiver. Allez, enseignement. Faut enseignement. C'est ok. On tape, on s'en fout. Ouh. Allez, mug, à nous deux. C'est inconsommable. Si vraiment je galère trop, j'utiliserai. La merde, bon, genre. Putain, deux déjà! Je fais n'importe quoi. Je peux le faire. Calmez-vous, monsieur. Deux d'un coup! Il est sérieux? Là, si jamais c'est pas sa forme finale, hein. Oh fuck, c'est sa forme finale qui arrive là. Ok, là c'est sa forme finale maintenant, ok. Ok, monsieur le mug, je suis prêt. Ça va aller. La lame est presque morte, fais chier. Ok, la lame va crever. C'est donc un 1v1 maintenant. Un bien que je suis en train de perdre, ok. Allez Romain. Oh non, j'ai vraiment pris ça comme dégâts. Oh,
Putain! C'est un des seuls boss que j'ai pas fait dans ma première run, donc je connais pas du tout. Ah, il est très très fort. Il est vrai, c'est... Si je vais faire un classement, je pense, des boss les plus durs du jeu, je dirais 1, Malenia, et 2, ça se tape entre lui et Malikat, je pense, non? Vous en pensez quoi? C'est l'ordre! Je kiffe le jeu, jeu de fou. Bon, ça c'est moins fou. Hein. Trop tôt la roulade, dommage. Mettre là. Je suis mort. Putain, je suis trop con. Est-ce qu'on peut le battre avant qu'il se transforme ou c'est pas possible? Oui, possible. Avec le stun. Ouais, il faut le stun au bon moment en fait, c'est ça. Hein. Putain, il est jamais stun, je vois rien. Je vois rien, je coupe. Non, je comprends rien, putain. Ah, fais chier. Putain, il est pas facile quand même, hein. C'est pas ça. Allez, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, manque de con? Alors? Alors? Bah, je trouve que c'est vraiment trop fort, par contre. Hein. Attends, il s'est vraiment trop pété. What the fuck? Non fonctionne! Pourquoi non fonctionne? Non fonctionne! Non one shot. Putain, mais ça marche que sur la première phase! Ah, ça marche seulement deux fois! Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse à la fin de la P1. Comme ça, je le nique avant qu'il se transforme. Vous allez voir, je vais faire un no shot là. No hit, pardon. Vous êtes prêts pour un no hit? Ça compte pas comme un hit. Ça non plus. Bon, là, je comprends rien, je comprends. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe. C'est vraiment, vraiment compliqué. Vous avez kiffé le no-hit ou pas? Du coup, je disais, si on devait faire un classement des boss les plus durs du jeu, selon vous, il se met combien de tièmes notre petit mug? Moi, je dirais 2-3e du jeu en vrai, quand même. Hein. Heureusement que j'avais l'alarme. Hein. Sans l'alarme, c'était mort. Hein. Peut-être pas tout le monde est d'accord pour dire mais il y a un. Bon, Nestrelex, va jouer au jeu. En vrai, je suis plus très loin de la fin du jeu. Hein. Ah non, c'est bon, j'y suis. On y est, les amis, on y est. Vous pensez qu'on tombe sur qui, du coup? Vous pensez qu'on tombe sur qui? Bon, là, faut juste espérer un boss pas trop compliqué. Alors. Oh, oh, c'est tellement décevant. Oh, c'est tellement décevant. C'est un peu décevant, quand même. Hein. On en parle de l'arène immense, juste pour se battre contre lui. Attendez, je suis pas concentré. Non mais regardez, la reine qui fait 5 fois la taille de nous, c'est terrible. Alors par contre, pour esquiver ça sans les poteaux là, putain. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les nobles Sanctuaires, c'est vraiment parmi les boss les moins aimés du jeu. Hein. Je peux créer contre lui quand même, s'il te plaît. Si je fais des conneries comme ça, oui. Hein. Oh, je grite beaucoup trop. La 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 la. Papa de poupou. Super le pur le pipu. Bon, il se pourrait que j'ai un petit peu trollé. Voilà, que je me sois dit, bon, ça peut arriver à tout le monde de 1 hein, à devoir Malikat. Malikat en plus, ce qui devait être très très marrant, c'est qu'il a deux phases. Malikat, il a. Oh, la manette bug. Thank you.
J'espère que vous avez apprécié ce combat de boss de fou furieux. Les amis, quels sont les boss? Personne. Il n'y a pas de... Putain, comme il est arrivé. Ok, ça peut aller. Phase 2, mesdames et messieurs, phase 2! J'ai eu, je crois pas. Je te promets qu'il est pas facile celui-là. Ça, ça va, c'est pas le pire, mais c'est pas non plus le meilleur. Hein. Au moins, c'est Neji. Quoi? Trop tôt. Oui, le boss de base est quand même plus dur. En vrai, ça se fait, non? En vrai? En vrai, encore un try et c'est bon, non? Ça dégage! Autant vous dire que je la sens mal la fin. Autant vous dire que la fin je la sens mal. Je la sens très très mal la fin. Ok, attention, qui est-ce qu'on a à la place de Gideon? Vous l'avez attendu celle-là. Vous l'avez attendu. La voilà. La voilà. Ah mais non, c'est... Ok, 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 c'est bon, d'accord, ok, c'est... Oh, stop, tranquille! Tranquille, Malenia, ok, tranquille! Ok, 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 ok. Bon, c'est que la première phase, à part ça, c'est que la première phase. C'est quoi, ces PV? Non, elle s'est peut-être soignée, attendez, elle s'est peut-être soignée, j'ai raté. Elle s'est peut-être soignée, j'ai raté, on va espérer que ce soit ça. Je suis mort.